Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Book Haul. Avouez, ça vous avait manqué, hein. Bah vous savez quoi ? Moi aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des livres que j'avais trouvés lors d'une brocante près de chez moi. Et tous ceux que je vais vous présenter viennent tous du même stand. Oui, des fois, comme ça, le destin fait bien les choses. Et durant une petite balade, vous tombez comme ça sur une personne qui a les mêmes goûts littéraires que vous. Du coup, bah clairement, vous dévalisez son stand. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors aujourd'hui, je vais donc vous présenter 8 livres qui viennent donc tous de la même personne et qui, si j'ai bonne mémoire, sont tous des thrillers. Oui, parce qu'au moment où je les ai achetés, j'étais encore dans ma grosse période thriller qui ne m'a d'ailleurs pas vraiment toujours passé. Du coup, histoire que cette vidéo ne soit pas trop longue, eh bien écoutez, on commence tout de suite. J'ai tout d'abord acheté Famille Parfaite de Lisa Gardner aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, nous nous retrouvons donc, comme le titre l'indique, avec une famille absolument parfaite qui vit dans une somptueuse maison à Boston, tout à fait à Boston. Voilà, mariage heureux, parfait, ils ont de l'argent, ils ont une fille de 15 ans qui se comporte tout à fait bien, ils sont tous beaux. En gros, on vit au pays des bisounours. Sauf que voilà, un jour, toute la petite famille va disparaître. Aucune trace de crime, hormis apparemment des traces de pas chez eux et puis des espèces de cartouches de taser qui sont retrouvées. Mais toute la petite famille s'est tout simplement volatilisée. Nous allons donc suivre la détective Tessa Leoni qui va enquêter sur cette disparition plus qu'étrange. Alors, j'ai pas mal entendu parler de cet auteur que je n'ai absolument jamais lu. Donc, je me suis dit, allez, un moment, faut quand même que je me lance. Ce qui fait que j'ai acheter celui-ci, même si je vous avoue que là, comme ça, le pitch comporte pour moi quelques petites zones d'ombre. Tout d'abord, comme je l'ai dit il y a peu de temps, les histoires qui se passent aux États-Unis, pour une raison que je ne m'explique pas trop, je commence un petit peu à en avoir ma claque. Je préfère de loin les histoires qui se passent en Angleterre ou en France. Donc bon, voilà, là on est avec Boston, c'est déjà mieux que New York, mais c'est pas franchement ce que je préfère en tout cas en ce moment. Et puis cette histoire de disparition de famille, eh bien écoutez, c'est quelque chose qu'on a déjà retrouvé aussi bien au niveau de la littérature que malheureusement dans la vraie vie. Donc bah j'espère que je vais pas y retrouver vraiment une histoire qui a déjà existé, parce que je risquerais d'être déçue. Pour moi, dans ce récit, le plus gros challenge de l'auteur, c'est de ne pas tomber dans le cliché ou le déjà vu. Donc bah écoutez, je vous dirai ça une fois que je l'aurai lu. Je me suis ensuite procuré Les Apparences de Gillian Flynn aux éditions Le Livre de Poche. Alors on va se retrouver un petit peu dans la même ambiance que Famille Parfaite du coup, puisque là encore, nous allons suivre un couple qui en apparence a tout du couple parfait et idéal. Sauf que voilà, la crise financière passe par là, du coup, ils déménagent dans le Missouri ou je ne sais plus quelle bled des États-Unis. Oui, parce que du coup, on est encore aux États-Unis. Et malheureusement, un jour, la femme de ce couple vient à disparaître. Alors forcément, comme souvent, le mari est très vite soupçonné d'être le responsable. Nous allons donc suivre apparemment en parallèle l'enquête de la police ainsi que l'enquête du mari qui du coup a plutôt envie d'être disculpé, donc aimerait beaucoup trouver le véritable coupable. Et durant son investigation personnelle, il va alors découvrir certains secrets sur sa femme, quelques-uns insignifiants, mais d'autres qui apparemment auraient une plus grosse importance. Là encore, je ne connais pas du tout cet auteur, mais je me dis qu'il faut bien commencer quelque part. Donc si vous avez déjà lu de Gillian Flynn, et ben n'hésitez pas à me donner votre avis, parce que franchement, je vous avoue que je n'en connais vraiment pas grand-chose. J'ai ensuite pris Méthode 1533 de Shannon Kirk aux éditions Folio dans la collection Policier. Dans cette histoire, apparemment, nous allons suivre une jeune adolescente enceinte qui un jour se fait enlevée en pleine rue. Alors jusque-là, vous imaginez bien la petite adolescente complètement paniquée qui se dit « Oh mon Dieu, je vais mourir, qu'est-ce qui se passe ?» Oui mais non, puisqu'apparemment cette adolescente va mettre à profit son kidnapping pour assouvir deux buts. Le premier, sauver l'enfant qu'elle porte, et le deuxième, assouvir une vengeance. Apparemment vont s'affronter des ravisseurs sadiques et une adolescente aux tendances sociopathes. Je le sens bien là, le thriller psychologique en huis clos. Bref, pour le coup, cette histoire et cette quatrième plutôt mystérieuse ont tout pour attiser ma curiosité. Et clairement, je ne pouvais que me jeter sur ce livre. En plus de ça, il est écrit sur la quatrième que Shannon Kirk est une avocate qui vit à Chicago et qui côtoie pas mal du coup la délinquance. Alors j'espère que comme pour Olivier Norek,
elle sait de quoi elle parle et que cela va rendre son récit encore plus réaliste et réussi. J'ai ensuite pris Le Voisin de Tatiana Doronet aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, nous allons suivre une femme qui n'est pas vraiment apparemment épanouie dans sa vie, qui a un mariage pas très heureux, un travail plutôt banal, en gros, clairement, elle se fait chier. Elle vient d'emménager dans un nouvel appartement et malheureusement, histoire de rajouter un petit peu de merdouille dans sa vie déjà bancale, elle rentre complètement en guerre avec son voisin du dessus, avec qui les choses se passent très mal. Alors il y a une phrase qui m'a vraiment accrochée sur la quatrième et c'est « Quel prix est-elle prête à payer pour retrouver sommeil et sérénité ?» Là encore, je le sens bien, un bon thriller psychologique en huis clos entre deux personnages. Je ne connais pas du tout cet auteur, mais voilà, c'est un petit récit très court et clairement, cette quatrième me donne très envie. Je crois que j'avais entendu de plutôt bons échos sur Tatiana Doronet. Donc là encore, si vous la connaissez, n'hésitez pas à me faire un petit descriptif de son style d'écriture et puis maintenant, vous devez commencer à me connaître, alors à votre avis, est-ce que ça va matcher entre ce livre et moi ? J'ai ensuite pris Retour à Redemption de Patrick Graham aux éditions Pocket. Dans cette histoire, nous allons suivre un homme qui est devenu aujourd'hui un brillant avocat à Chicago, il me semble. Non, à San Francisco. Et qui, il y a 20 ans de ça, a terminé de purger sa peine à Redemption, un camp de redressement en fait pour mineurs. Jusque-là, tout va bien, il s'est réinséré dans la société, il a construit sa vie. Sauf qu'un jour, sa femme se fait assassiner et il semblerait alors que son passé refasse surface et que quelqu'un souhaite lui rappeler les humiliations et brimades que l'on a pu subir à Redemption. Je dois avouer que la quatrième est plutôt succincte, mais moi, m'a suffi pour me donner envie. Et puis, autre chose qui m'a vraiment interpellée, c'est cette petite phrase à l'avant du livre. 6 enfants s'étaient fait une promesse, 20 ans plus tard, tous l'ont oublié, sauf un. Je suis plutôt adepte en général des histoires qui mêlent présent et passé, et là, clairement, c'est ce qu'on va retrouver. Ça, en plus d'un centre de détention pour mineurs, qui est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de rencontrer dans ce genre de littérature. Écoutez, pour ma part, ce livre a tout d'une recette gagnante pour me plaire. Il me semble que ce livre est assez connu, et si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs, je pense que Séverine l'avait plutôt apprécié. Donc là encore, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai ensuite pris 1 sur 2 de Steve Mosby aux éditions Le Cercle Point dans leur collection Thriller. Dans cette histoire, apparemment, nous allons suivre un tueur psychopathe qui décide de kidnapper un couple et de leur laisser le choix à savoir qui devra mourir entre vous deux. En gros, t'as la vie sauve si tu tues ton mari ou ta femme. Et en parallèle, nous allons suivre l'inspecteur Mercer qui apparemment va subir une course contre la montre pour retrouver ce couple avant que la fin terrible s'abatte sur eux. Alors oui, clairement comme ça, le résumé me fait beaucoup, beaucoup penser à Amstram Graham de M.J. Arlish que j'ai lu il y a peu de temps. Donc, j'espère vraiment ne pas retrouver une pâle copie de Amstram Graham que j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je crois même d'ailleurs que ça avait été un coup de cœur. Donc voilà, j'avoue que pour le coup, Steve Mosby va marcher sur des œufs avec moi puisqu'il faudra du coup faire mieux, à moins que l'histoire soit vraiment totalement différente. Mais je reconnais que les pitchs de base sont quand même très semblables. Donc écoutez, pour le coup, je sais vraiment pas ce que ça va donner. J'ai ensuite pris Le Silence des Loups d'Eric Robin aux éditions Pocket. Dans cette histoire, bonne nouvelle, là nous allons être en France. Puisque, en effet, à Chamonix, dans un chalet, 3 corps ont été découverts. L'un de ces 3 corps est celui d'un vieil homme qui a survécu au camp de concentration et qui s'est retrouvé, malheureusement, la langue tranchée. En parallèle de ça, nous allons suivre Daniel, un quinquagénaire absolument tranquille qui s'est toujours cru orphelin. Sauf que voilà, un jour, il se découvre non seulement un frère jumeau, mais peut-être également des parents. De quoi plutôt chambouler votre vie. Et alors qu'il enquête du coup sur ce passé qui semble falsifié, il va faire la connaissance de l'inspecteur qui enquête sur ces 3 meurtres de Chamonix. Leurs deux destins vont donc être liés et suite à ça va se déclencher une énorme course contre la montre où il semblerait que leur vie soit un petit peu en danger. En effet, certaines personnes n'ont peut-être pas trop envie que la vérité soit dévoilée. Vous l'aurez compris, un thriller qui se passe en France avec là encore apparemment une histoire de passé. Je le sens bien celui-là, je le sens vraiment bien. Là encore, je ne connais pas du tout cet auteur, mais voilà, l'ambiance qui a l'air d'en ressortir, le fait que ça se passe en France, le titre,
Tout ça me donne plutôt très très envie. Et du coup, j'espère vraiment que celui-là ne va pas s'endormir dans ma palle. En tout cas, c'est pas le but. Enfin, nous allons terminer avec Les Brillants de Marcus Sacquet aux éditions Folio dans leur collection Policier. Alors, avec ce livre, on est clairement dans un style un petit peu différent, puisque même s'il est dans la collection Policier et qu'il est classé en thriller, on a vraiment pour le coup une grosse partie fantasy. En effet, nous vivons dans un monde qui, j'ai cru comprendre, en gros est le nôtre, sauf que voilà, il y a 1% de la population qui se retrouve complètement surdoué, qui a vraiment des capacités hors normes par rapport au reste. Et ces 1% de la population sont surnommés les brillants. Alors voilà, les brillants sont très surveillés et sont un petit peu, j'ai cru comprendre, controversés. Un peu à la manière des X-Men, vous voyez. En gros, c'est ça. On a affaire à une sorte de société de X-Men et on va suivre un policier qui est lui-même brillant et qui est chargé de surveiller les autres brillants, histoire de voir s'ils ne font pas trop de bêtises et s'ils ne se servent pas de leurs facultés à des fins plutôt sombres. Sauf que voilà, notre policier va devoir traquer le brillant ennemi numéro 1 et que durant cette traque, malheureusement, il semblerait qu'ils doivent choisir son camp. Alors oui, clairement, ce livre va me faire sortir de mes sentiers battus. Ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de lire. En plus de ça, ça commence déjà à être une petite briquette qui fait bien ses 550 pages, donc j'espère que ça va me plaire, parce que sinon ça va risquer d'être un petit peu long. Alors là encore, si vous connaissez cet auteur ou que vous avez lu Les Brillants, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça me motivera peut-être à le sortir un peu plus vite de ma palle, parce que je vous avoue que là, il va falloir quand même que je me mette un petit coup de pied au cul. Alors oui, vous allez me dire dans ce cas-là, mais pourquoi tu l'as acheté ? Ah, parce que des fois, j'aime bien comme ça tenter d'autres choses. Et clairement, ce livre, je pense qu'il peut allier le côté thriller que j'affectionne tant et le côté fantastique dans lequel j'ai tendance à avoir plus de mal à me plonger. Alors voilà, c'est terminé pour ce book haul. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, j'en ai encore 2 voire 3 autres en préparation, donc vous n'avez pas terminé de voir défiler de nouveaux livres qui sont pour la plupart thrillers, parce que clairement, en ce moment, je suis en boulimie de ce genre littéraire. Donc voilà, du coup on va très vite se retrouver pour d'autres book hauls, mais également des points lecture, parce qu'en ce moment j'ai un rythme de lecture plutôt intéressant et va vraiment falloir que je prenne le temps de vous filmer tout ça. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, on pense au petit pouce levé, ça me motive et ça aide à faire connaître la chaîne. N'hésitez pas donc à venir me dire en commentaire ce que vous pensez de ces livres, puisque pour la plupart, même pour tous en fait, je ne connais pas ces auteurs, ça va vraiment être du coup une totale découverte pour moi. Alors n'hésitez pas à m'aiguiller, savoir lesquels je vais faire passer en priorité. Et puis j'espère également peut-être vous avoir donné envie de découvrir certains de ces titres. Bref, que vous ayez des conseils à me donner ou que vous ayez envie de parler de la pluie ou du beau temps, n'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire juste en dessous. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos par rapport à ces livres, mais également toutes les infos par rapport à mes réseaux, que ce soit Instagram, le site internet, mon adresse mail, etc. juste en dessous également, dans la barre d'infos. Du coup, comme le jour est clairement en train de décliner, alors je vous le dis tout de suite, hein, il est 2h de l'après-midi, mais voilà, on est en automne, du coup, on allume les lumières dès 10h du matin et tout le monde, il est content. Donc pour me remonter le moral, moi je vais retourner à mes lectures. J'espère que de votre côté, vous faites de belles lectures en ce moment. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. Bye bye !